Ces derniers mois ont été chargés pour Lola Dubini. La chanteuse et humoriste a d'abord démarré la rentrée de septembre en participant à Danse avec les Stars, compétition pour laquelle elle a été éliminée au bout de 3 semaines. Après quoi, la pétillante blonde a repris avec joie sa tournée avec son spectacle Ce n'est pas que de la musique. Un planning chargé qui a semble-t-il fini par peser sur sa santé. Ce mardi 7 décembre 2021, Lola Dubini s'est saisie de son compte Instagram pour révéler avoir été hospitalisée. J'étais aux abonnés absents pendant quelques jours, parce que depuis samedi mon corps est en roue libre. Dimanche, je ne me sentais pas bien, je suis quand même allé jouer et après ça a été pire, ce qui m'a valu un petit séjour aux urgences. J'étais allé jouer alors que je tenais à peine debout. Je n'ai jamais été dans un état pareil, a-t-elle raconté. Lola Dubini avait, d'après les professionnels de santé, des symptômes qui faisaient un peu peur et ce sont donc les pompiers qui ont été envoyés à son domicile pour l'emmener à l'hôpital. Mais fort heureusement, plus de peur que de mal pour la jeune femme de 28 ans qui doit quand même désormais lever le pied. Quand tu vois les pompiers débarquer à 1h30 du matin, tu te dis que si est-il grave. Il s'avère que je n'ai rien, on m'a fait tous les tests, j'ai fait 4 tests négatifs, tous. Ceux qui l'ont pu constater si est-il une énorme déshydratation et du surmenage, a-t-elle rassuré. Lola Dubini a néanmoins promis qu'elle était déjà prête à remonter sur scène pour rencontrer son public après une bonne session de sommeil. De quoi conclure sa prise de parole par un précieux conseil à sa communauté, quand votre corps vous dit va dormir, aménagez votre temps et dormez.